nouvelle vidéo DIY. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter une invitée spéciale qui a fait l'effort de venir aujourd'hui rien que pour moi. C'est un exploit. Elle n'est pas forcément à l'aise avec les vidéos sur YouTube, alors je vous demande de l'accueillir bien fort et de l'encourager comme il se doit. Et je vous présente ma maman. Coucou, c'est moi. Ma grande. J'ai fait ça par amour. Ouais. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a réalisé cette petite déco murale, des petites pyramides en origami. Très jolie. Voilà. Je cherchais ce que j'allais dire un peu, mais c'est bon. T'as fait le reste. Petit origami dit pas de paire de ciseaux, pas de colle, pas de ciseaux, pas de scotch, pas d'agrafeuse, enfin rien de tout ça. Juste nos petites mimines. Un jeu d'enfant. Voilà. Et vous allez voir, c'est vraiment très 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 facile à réaliser. C'est juste un petit peu long. Après, ça dépend du résultat que vous voulez. C'est pareil que je l'ai dit tout à l'heure ou pas, je sais plus. Donc, on en a fait une déco murale, mais on peut en faire tout et n'importe quoi, ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Pour réaliser cette petite déco en origami, on a besoin de nos mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du papier. Donc moi, j'ai utilisé du papier qui vient de chez Action en 15 par 15, mais je vous conseille pas trop. Ça fait un super rendu, mais vu que c'est du papier cartonné, c'est assez compliqué pour l'origami. Mais après, vous faites comme vous voulez, on s'y arrête. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à, on se met au travail. Alors on y va, vous nous suivez, on y va. Allez, go. Donc c'est parti, on va utiliser des papiers 15-15, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent de chez Action, même si c'est pas recommandé parce que c'est du papier cartonné pour les origami, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Mais c'est pas grave, on y va, on est parti. Donc c'est parti, dans un premier temps, on va prendre notre feuille et on va la retourner pour que la face qui nous intéresse se retrouve contre la table. On va venir la plier sur sa hauteur et ensuite sur sa largeur. Ensuite, toujours avec le motif en dessous, c'est-à-dire la feuille à l'envers, on va venir replier les quatre coins sur eux-mêmes, comme le fameux jeu qu'on faisait quand on était tout petit. Un point important aussi, c'est qu'il faut vraiment bien appuyer sur les arêtes pour bien marquer le pli. Et donc là, c'est là qu'on a la preuve que les feuilles de chez Action ne sont pas des carrés. Mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Vous allez voir qu'après, ça pose aucun problème. Donc ensuite on vient retourner notre feuille pour avoir le motif au-dessus cette fois-ci et on va plier notre feuille en diagonale, mais seulement une moitié. Regardez bien. L'autre moitié, on n'y touche pas. Et ensuite, là normalement, par magie, en appuyant sur le centre, le triangle, enfin la pyramide, devrait se faire toute seule. Donc là, en attendant de passer à la deuxième étape, on peut replier chaque triangle à l'intérieur de eux-mêmes pour que ça tienne mieux. Et donc voilà, notre petite pyramide est maintenant terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser à faire ça pour autant de fois qu'on veut. Voilà. Donc on va vous montrer un autre exemple, cette fois-ci à quatre mains. Comme ça sera peut-être un peu plus clair, je ne sais pas, on verra bien. Hop. On le fait ensemble, maman? T'es prête? Vas-y mamie, dépêche-toi, vite! C'est la course!
bien maman, tu t'appliques. Ouais. Et là, logiquement, ça se fait tout seul. Je t'ai pas donné d'explication. Est-ce que tu vas y arriver? Regarde, elle est là. Attends, je suis dans le bon sens, là? Ouais, comme ça. Et puis, tu vois, je suis gauchère. Alors, t'as fait ça. Hop. Attends. Là. Non, je veux pas, regarde. Puis, et tu non, dans l'autre sens. Ah non, oui, par là, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. Comme ça. Et ça, ça se relève. Ah, ça y est. Ouais. Maman, à toi toute seule, on va voir si tu y arrives. Oh, maman, elle a une bonne mémoire, c'est bien. Ça va, je suis pas trop gâteuse encore. Non, ça va, hein. Ça y est. Donc maintenant je vais essayer de vous montrer ça sous un angle différent en espérant que ça soit un peu plus clair aussi. Maintenant que toutes les pyramides sont maintenant réalisées, on va pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire l'assemblage. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc pour ça, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Faites la figure que vous voulez et harmonisez les couleurs. Donc vous pouvez faire des formes géométriques, hexagonales, triangles, losanges, c'est comme vous voulez, ou alors à la Wall Again Ubs to Fly. Un simple exemple, un hexagone. En triangle. Ou en version losange. Et après, il y a plein de possibilités différentes, ça vous laisse libre cours à votre imagination. Alors maintenant, je vous montre comment les assembler. Donc, vous prenez deux triangles, on les retourne et on prend une partie qu'on a pliée. Voilà. Hop, une partie là et une autre partie là. Qu'on les met bien l'un sur l'autre, dos à dos. Et on vient, dans un premier temps, le plier comme ça. Comme ça, voilà. Et la deuxième petite partie, ici. Mais c'est pas très clair, mes explications. Mais mes gestes parlent d'eux-mêmes, je pense. Et on vient le replier sur lui-même. Donc là, vu que c'est du carton, c'est pas franchement évident.
Et voilà, nos deux pyramides sont assemblées. Et il n'y a plus qu'à faire ça avec toutes les autres pyramides. Et voilà. Donc moi j'ai décidé de les mettre n'importe comment. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser à tous les assembler. Donc je vous remonte une dernière fois comment faire. Il suffit de les mettre dos à dos, bien face à face. Enfin non, dos à dos, face à face. L'un sur l'autre. Voilà, dos à dos et l'un sur l'autre. Et de plier un petit triangle là. Et de rabattre cette partie-là. Et pour finir, le rabattre. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos avec ma maman, je suis sûre qu'elle sera ravie de refaire des vidéos avec moi. Ah, dis oui. Oui, 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 on va essayer de faire des efforts. Ouais. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Moi, c'est une grande nouvelle, mais on va recommencer. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, j'ai l'habitude de me répéter. On vous fait tout plein de gros poutous. Et on vous retrouve très 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 vite. En tout cas, pour ma part, moi, je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Donc, attends, merde. Tu m'embrouilles. Pourquoi tu n'as rien fait? Ça me stresse. J'ai chaud. Mais Juju, mamie, viens faire Juju avec moi. Mon point, il ne veut pas marcher. Non, tu dis tout ça, je vais pas. Je sais pas. Ouais. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. D'accord. Donc voilà, on a.